une noble foie gras, je vais associer avec un petit peu d'araignée, qu'on va juste légèrement chauffer, mais qu'on va servir fumé. Et je te verserai, tu auras un petit bouillon, et tu auras un bouillon de très grassouillé de volaille. Voilà. Le poivre est juste bien là. Chauffer. Gentiment. Deux fois juste comme il faut. Pour pareil, faire les assemblages thermaires. Petite salade de marine. Petite salade marine déjà. On met ça en finition. Simplement. Hop. Là c'est bon, on est prêt, là on passe. Oui. Grand, grand. La freine. Voilà. C'est bon. Et on y va, envoyez pas. Alors, vous êtes ici sur l'association d'un foie gras tourteau et herbe des falaises. Donc, vous allez apprécier le tourteau avec le foie gras, puis plonger dans la nage pour terminer. Et associer la crêpe crase avec aiguillette de Saint-Pierre, crème de riz fermenté, la vinaigrette dans l'assiette comme vous le souhaitez. Ici les haricots blancs, tomates à la bretonne. Enfin, terminer sur une note de douceur avec ce gâteau de pommes puis 12 heures et sorbet sur eau. Donc alterner le gâteau de pommes avec la fraîcheur du sorbet. Dans la vitrine au four, vous pourrez trouver un riz au lait qui est fait avec l'eau pâtissier. On aura également des petits actimels, des yaourts nature ainsi que des yaourts au fruit, de la salade de fruits fraîche faite maison, un petit peu de saumon, également une assiette de charcuterie. Vous trouverez également une ardoise avec un comté, un sainte-maure de Touraine et une fourme d'Ambert. Tout ce qui sera fruits frais ainsi que fruits secs derrière vous. Vous trouverez également du caramel au beurre salé, du miel. On aura également de la confiture d'abricot faite maison et de la confiture de fraises faite maison également. Ici, vous trouverez un pain de mie et une brioche. Donc à savoir que pour ces deux-là, le chef vous invite à les toaster. C'est meilleur en bouche au niveau des arômes, c'est pas la même chose. On aura ici un 4 coeurs ainsi qu'un pain d'épices. Les deux baguettes les plus claires seront des baguettes blanches, les plus foncées seront des baguettes de sarrasin. On aura également des petits croissants et des petits pains au chocolat. Des crêpes avec un petit zeste d'agrumes. Ici, vous trouverez des cakes sarrasin abricot, des cakes aux agrumes et pour terminer, des cakes chocolat banane. Dans le chocolat chaud, vous pourrez trouver donc, ben, forcément du lait. On aura aussi une petite noisette de beurre, de la crème montée. On aura également du chocolat noir à 70%, un petit peu de graines de café, un zeste d'orange, de l'anis étoilé et pour terminer, un petit peu de vanille. Voilà. Merci bien.